Mes amis, il y a une façon d'offrir des sacrifices à Dieu qu'il aime et lui, après, il bénit et qu'il aimerait entendre de votre bouche. Eh missionnaire, quel genre de sacrifice est-ce? Vous allez l'entendre maintenant. Je vous parle de la parole de Dieu. Au psaume 116, dans le verset 17, il dit la chose suivante. « Je t'offrirai un sacrifice de reconnaissance, j'invoquerai le nom du Seigneur. » Après que vous l'offrez à Dieu, pas un sacrifice du genre « Seigneur Dieu, je vais donner ma maison au Seigneur, je vais donner ma voiture au Seigneur, je vais faire ceci. » Juste si Dieu le demande, vous avez une grande certitude, vous dites « Ok, je suis d'accord. » Mais non, ce qu'il veut de vous, c'est le sacrifice des louanges. Vous alors pensez bien, vous vous préparez pour donner la louange dans cette bénédiction que vous avez reçue. Et il ajoute encore davantage ici, « J'invoquerai le nom du Seigneur. » Après que vous offriez le sacrifice de louange, la porte est ouverte. Vous invoquez le nom du Seigneur. Mon frère, à ce moment-là, vous détruisez tout mal et sortez d'un quelconque piège. Voyez cette personne bénie. Qu'est-ce qui vous est arrivé, madame? Écoutez, ischémie? J'ai oublié tout ce côté-là, hein. Ça fait 6 ans. Mais je marchais encore bien, mais maintenant, je ne peux plus marcher, non? Comment est-ce que vous marchiez avant la prière? Imitez. C'était ainsi lentement. À présent, mettez-le dans le dos. Quand on termine le travail, mettez la bêche sur le dos. Marchez main normalement. Chantant Alléluia, 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 gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia, Dieu est fantastique, ma sœur, c'est lui qui l'a fait. On va faire une prière à présent, Père. Enseigne-nous à t'offrir le sacrifice de louange. Alors nous invoquerons ton nom, le majestueux nom qui va nous libérer de toute embrouille maligne. Je prie pour toutes les personnes qui sont en train de prier avec moi en un quelconque lieu du monde et je dis comme suis mal, sors de ces vies, au nom de Jésus, Amen.